2019, le golfe du Morbihan a rejoint le réseau des stations de trail en France. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 14 parcours autour du golfe du Morbihan avec plusieurs sites de départ, environ 5 à 6 sites de départ. Et à chaque fois, il y a plusieurs distances au départ de chaque site. Donc il y a des parcours pour les débutants, pour les sportifs moyens et les sportifs plus confirmés. Donc ça va de 8 à 25 km. Donc il y a de quoi s'amuser sur chaque parcours. Alors qu'est-ce que l'avantage d'une station trail? L'avantage, ça va être qu'on a des parcours balisés, donc on se pose pas la question de notre chemin, on suit les balises. Et pour un vacancier qui va venir sur notre territoire dans le golfe du Morbihan, il trouve ses parcours facilement sur l'application. Il choisit son mode de difficulté, l'intensité, et il peut même se comparer avec d'autres sportifs. Après, en ayant calculé son temps, il y a des petits rapports qui peuvent être faits. Et voilà, ça peut permettre d'amener un peu de compétition à son entraînement. Le golfe du Morbihan, c'est déjà une terre de trail. On a des courses tous les week-ends. On peut prendre un départ autour du golfe du Morbihan pour pratiquer la course à pied. On a également l'ultramarin qui a lieu fin juin tous les ans. On est sur la 16e édition en 2020, donc c'est un rendez-vous aujourd'hui incontournable pour les trailers en France. Quand on parle de trail, on pense souvent à la montagne. Nous aujourd'hui, autour du golfe du Morbihan, on ne va pas avoir de montagne. Par contre, on va avoir quand même des terrains qui peuvent être assez gras l'hiver, technique également. On va avoir beaucoup de relances, moins de grosses bosses, mais il y a quand même des bosses en Bretagne. Et voilà, c'est des parcours sans répit, avec constamment de la relance, de la boue, des racines. Et on en prend aussi plein les yeux en pleine nature.